Salut Florian. Salut Zina. On se retrouve pour un nouvel épisode de Résilire, notre émission littéraire autour de livres et personnages qui sont confrontés à toutes sortes de crises. Aujourd'hui, on va parler de Le Marchand de Sable de E.T. Hoffmann de 1816, très connu en Allemagne et pas inconnu non plus en France. Mais avant qu'on parle de ce nouveau projet éditorial, est-ce que tu peux nous dire rapidement deux mots sur l'auteur et peut-être le situer un peu dans l'histoire littéraire allemande? Oui, bien sûr. Donc, E.T. Hoffmann, c'est une année particulière pour lui cette année, en 2022, parce qu'en fait, c'est le bicentenaire de sa mort. Il est mort en 1822. Il est mort pas très vieux, parce qu'il est né en 1776. Donc, s'il est mort en 1822, ça veut dire quoi par rapport à l'histoire littéraire allemande? C'est que Hoffmann, c'était un romantique tardif. C'est-à-dire que dans ces années-là, 1822, en France, on est en plein romantisme, et en Allemagne, eh ben, c'est plutôt le bout de la comète du romantisme. Ce qui veut dire que Hoffmann, c'était un romantique tardif. À la fois romantique tardif et également romancier tardif. Pourquoi? Parce que Hoffmann, en fait, il aurait voulu être un grand musicien, un grand compositeur. Et Hoffmann, c'est une sorte de perdant magnifique. C'est-à-dire que bah, le pauvre, il n'a jamais été ni un grand musicien, ni un grand compositeur. Et c'est qu'à la fin de sa vie où il s'est découvert ce talent pour l'écriture. Et c'est à partir de là où ses œuvres ont été reconnues en Allemagne, puis après sa mort, en France. Et comme il a été aimé et admiré en France, de nouveau en Allemagne, et c'est également E.T. Hoffmann qui a inspiré Sigmund Freud et son concept dont on reparlera, d'inquiétante étrangeté, qu'on traduit parfois sous le terme de familière étrangeté. Et parlant donc de ce projet éditorial que vous, donc les éditions du Typhon, vont lancer cette année dans le cadre de ce bicentenaire, qu'est-ce que c'est comme projet? Qu'est-ce que vous allez publier, républier? Alors en fait, on tourne autour d'Hoffmann depuis quelques années aux éditions du Typhon. On a deux collections, on a déjà parlé de la première lors des missions précédentes, la collection Après la tempête. Et on a cette autre collection qui s'appelle Les Hallucinés, qui porte plus sur une littérature fantastique, gothique, une littérature dite de mauvais genre. Et en fait, tous ces textes-là sont des textes qui, pour prendre une formule que cite Elisabeth Lemire, sont des textes qui brodent sur des fantasmes en offrant des fantasmes sur lesquels broder. Bon, donc on tournait autour d'Hoffmann, on a publié par exemple André Sinievski, André Lapoisse, qui était un hommage à Hoffmann, et on s'est dit voilà, il faut s'attaquer comme ça au maître du réalisme fantastique et aussi une grande figure des perdants magnifiques, tout ça, ça nous intéressait. Et on s'est dit voilà, on va essayer de faire un recueil qui comprendrait 5 textes d'Hoffmann, 5 contes, nos contes favoris, c'est-à-dire Le Marchand de Sable dont on va parler. Il y aura également Les Mines de Falun, Diable à Berlin, Vampire et puis un dernier texte qui s'appelle La Maison Sinistre. Rassembler ces textes dans une nouvelle traduction proposée par Philippe Forget et ces textes qu'ils soient illustrés. Illustrés par un illustrateur contemporain marseillais qui s'appelle Tristan Bonnemain avec lequel on a l'habitude de travailler. Il a signé les couvertures du Chien Noir, du Temps qu'il fait à Million Shot et de plein d'autres pour nous. Et que ce tout soit ensuite accompagné de façon critique, théorique, par une personne qu'on aime beaucoup et qui nous accompagne, Elisabeth Lemire, grande spécialiste des contes qui s'est battue toute sa vie pour faire connaître les pendants féminins des grands auteurs de contes, et également Jacques Cottin qui a longtemps travaillé à la Pléiade. Donc voilà, un bel objet pour rendre hommage à ce génie débraillé, maladroit, exalté qu'était Hoffmann. Un génie absolument. Il faut dire que j'ai lu cette histoire plusieurs fois dans ma vie. Là, je l'ai relue pour notre émission. Et je trouve que c'est toujours aussi captivant, on découvre à chaque fois des nouvelles choses. Pourquoi penses-tu que cet auteur est toujours aussi fascinant? En fait, pour le dire rapidement, ce qui fascine chez Hoffmann, c'est son brouillage. C'est-à-dire qu'il brouille la réalité physique et la réalité psychique. Il brouille également le rapport entre le dedans, le dehors, entre l'humeur et l'atmosphère. Et cet état, en fait, il nous plonge dans un état d'enfance. C'est-à-dire quand on est enfant, c'est développé par Piaget, on est justement perdu entre monde physique et monde psychique. On est là dans son lit, on entend du bruit, on se dit « Ah, c'est un monstre !» En fait, non, c'est encore une fois ce brouillage entre monde physique et monde psychique. Ce n'est pas un monstre, c'est simplement qu'il y a du bruit sous le lit parce qu'il y a une couverture qui traîne, etc. Et le fait de créer cet état comme ça de brouillage, ça nous crée un état de sidération, ça nous renvoie également aux terreurs de l'enfance, ça nous fascine et ça nous révèle où sont nos peurs et que ces peurs sommeillent sans cesse. Donc parlons un peu de cette nouvelle, qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire? Peut-être d'abord quels sont les personnages principaux et qu'est-ce qu'ils représentent? Alors il y a plusieurs personnages, mais on peut en citer trois. Le personnage principal c'est Nathanaël qui est un jeune étudiant, sa fiancée Clara, et puis il y a un personnage maléfique qui est Coppelius.
On va voir qu'ensuite, tout ça se dédouble et se décline. Quand l'histoire commence, on est donc avec Nathanaël, qui est un jeune homme, qui est un jeune étudiant. Et ce jeune étudiant, il a tout pour lui, tout pour être aimé. Il aime Clara, qui est une femme intelligente. Il est très ami de Lothar, qui est le frère de Clara. Et il est étudiant, donc c'est quand même une chance, il le sait. Mais il vient de vivre un épisode, et cet épisode l'a traumatisé. Cet épisode, il semble minime. En fait, quelqu'un a sonné à sa porte, il a ouvert et il a vu un marchand qui faisait du porte-à-porte. Et ce marchand l'a renvoyé à un traumatisme de l'enfance. Et ensuite, il va être complètement perturbé par cette rencontre et par cette histoire. Et au lieu de tout réussir, il va tout gâcher. Donc avant qu'on parle, ça c'est la première rencontre qui déclenche ce souvenir d'enfance, donc ce marchand de baromètre. Il y a une deuxième rencontre. Peut-être d'abord on lit un petit extrait. Oui. Un petit extrait donc, qui renvoie au traumatisme de l'enfance du personnage de Nathanaël, lié non pas à un marchand de baromètre, mais à cette figure étrange du marchand de sable. Très bien. Je commence en allemand. Donc l'enfant s'adresse à sa mère et demande « Ei Mama, wer ist denn der böse Sandmann, der uns immer von Papa forttreibt? Wie sieht denn aus? Es gibt keinen Sandmann, mein liebes Kind, erwiderte die Mutter. Wenn ich sage, der Sandmann kommt, so will das nur heißen, ihr seid schläfrig und könnt die Augen nicht offen behalten, als hätte man euch Sand hineingestreut. Der Mutter Antwort befriedigte mich nicht. Ja, in meinem kindischen Gemüt entfaltete sich deutlich der Gedanke, dass die Mutter den Sandmann nur verleugne, damit wir uns vor ihm nicht fürchten sollten. Ich hörte ihn ja immer die Treppe heraufkommen. Voll Neugierde, Näheres von diesem Sandmann und zu seiner Beziehung zu uns Kindern zu erfahren, frug ich endlich die alte Frau, die meine jüngste Schwester wartete. Was denn das für ein Mann sei, der Sandmann? Ei, Tanelchen, erwiderte diese, weißt du das noch nicht? Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen handvoll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel, wie die Eulen. Damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf. Grässlich malte sich nun im Innern mir das Bild des grausamen Sandmanns aus. Merci. Donc la traduction en français du marchand de sable par Philippe Forget dans Notre Recueil. Maman, qui est donc ce méchant marchand de sable qui nous empêche toujours de voir papa? À quoi ressemble-t-il? Il n'y a pas de marchand de sable, mon chéri, répondit ma mère. Quand je dis que le marchand de sable va passer, cela veut dire simplement que vous avez sommeil et que vous ne pouvez plus garder les yeux ouverts, comme si on y avait jeté du sable. La réponse de ma mère ne m'apaisa pas. Dans mon âme d'enfant s'imposa même avec netteté l'idée qu'elle ne niait l'existence du marchand de sable que pour nous éviter d'avoir peur de lui. Mais moi, je l'entendais toujours monter les escaliers. Soucieux d'en apprendre plus sur lui et sur ce que nous risquions, je finis par demander à la vieille femme qui s'occupait de ma plus jeune sœur « Mais qui est donc ce marchand de sable ?»« Eh, mon petit Nathanaël, » dit celle-ci, « tu ne le sais donc point encore ?» C'est un méchant homme qui vient voir les petits-enfants qui ne veulent pas aller se coucher et qui leur jette des poignées de sable dans les yeux, si bien qu'ils jaillissent tout sanglants de leur tête. Après, il les jette alors dans son sac et les porte dans le croissant de lune pour nourrir ses petits, qui sont là-haut dans leur nid, ils ont un bec crochu comme les chouettes et picorent les yeux des enfants capricieux. Dès lors, l'image du cruel marchand de sable se grava en moi sous un aspect abominable. Merci. Donc nous avons ce personnage du marchand de sable qui se crée dans la fantaisie de l'enfant. Et après, oui, bien sûr, l'enfant est curieux, il a peur en même temps. Mais chez l'homme adulte, il y a quand même toujours deux explications pour cet événement. Mais en quoi consiste donc ce trauma enfantin qui remonte à la surface dès qu'il voit une sorte de double de ce marchand de sable de l'époque ? Oui, tu as bien précisé. Pour repréciser très rapidement, effectivement, donc Nathanaël, le personnage principal enfant, il avait une admiration pour son père, mais son père cachait un secret. Ce secret, c'est que le soir, il menait des expériences avec un homme, Coppélius. Nathanaël, face à ces expériences, il a voulu un jour voir justement de quoi il retournait. Il a assisté à l'une des expériences. Il a été surpris par son père et par Coppélius. Coppélius lui a fait très peur. Et quelques soirs suivants, Coppélius est revenu, a mené des expériences avec son père, et là il y a eu une explosion. Une explosion qui a tué le père de Nathanaël. Et depuis, Nathanaël est véritablement traumatisé par cet événement,
Traumatisé, il faut le prendre au sens propre, c'est-à-dire qu'on est face à véritablement ce qu'est un traumatisme. Un traumatisme, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui est tellement fort, tellement puissant, qu'il est comme en attente, qu'il n'est pas digéré, qu'il n'est pas assimilé. Et comme il est en attente, ça brise la ligne de temps. La ligne de temps, on la connaît, c'est passé, présent, futur. Et dans l'événement traumatique, cet événement-là est en attente, il rôde, il erre comme une sorte de fantôme, et de ce fait, l'avenir n'est plus l'avenir. L'avenir est la répétition du passé. Et on voit que Nathanaël est un jeune homme traumatisé dans la mesure où son avenir n'est plus un avenir et la répétition du passé. Donc on s'aperçoit que le temps est cyclique. Et le temps est cyclique, le temps se dédouble. Et on va voir que dans toute la nouvelle d'Hoffmann, il y a cette figure du double qui ne cesse d'être là. Rien que dans ce qu'on a écouté à l'instant, on s'aperçoit qu'on a des figures qui ne cessent de se dédoubler. On a la mère. La mère, qui est une figure positive, qui donne une explication tout à fait rationnelle du marchand de sable. Et on a une figure négative de la mère avec cette nourrice qui, au contraire, donne une explication négative. Et on s'aperçoit dans une certaine mesure que sans cesse, on va être face à ces doubles-là, qui est une façon aussi d'appréhender cette notion de l'ambivalence. On aura l'occasion d'y revenir peut-être. C'est vrai que quand il raconte cette histoire, il est déjà sur le chemin un peu de la folie, si on veut, et il est ramené à la raison par sa fiancée Clara, qui essaie de lui donner une explication donc rationnelle de ce qui s'est passé à l'époque. Clara, déjà le nom dit que c'est une femme très rationnelle. Mais il y a une deuxième rencontre, donc il est ramené à la raison, et il y a une deuxième rencontre qui va déclencher donc cette perte de raison avec la fille de son professeur. Qu'est-ce qu'il faut dire sur cette rencontre-là? Ah, alors effectivement, donc jeune homme, Nathanaël est éloigné de Clara, Clara sa fiancée. Et comme tu l'as dit, effectivement, Clara c'est un modèle de clarté. C'est pas du tout quelqu'un qui serait comme ça dans une lecture absolument plate du monde. Au contraire, elle y voit clair, alors que Nathanaël, sa vue est embrouillée. Bon, il est intéressé par ce professeur et surtout par la fille de ce professeur. Mais cette fille, elle est étrangement statique. Elle bouge pas, elle semble très belle, mais elle réagit pas vraiment. Elle est très économe de ses mots, elle semble raide dans ses mouvements. Et à ce moment-là, Nathanaël est très ami avec un jeune homme qui s'appelle Sigmund. Et ça, on verra que c'est magnifique parce qu'on voit que ça a résonné justement chez Sigmund Freud. Bon, il s'appelle Sigmund et ce Sigmund lui dit « La fille du professeur, elle est un peu raide, quoi. » Et Nathanaël dit « Non, elle dit pas grand-chose parce qu'elle n'a pas besoin de mots. Elle est magnifique, elle me comprend, on n'a pas besoin de parler. Cette fille, elle écoute tous ses poèmes et elle dit « Oui, 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 oui. » Elle dit « Regarde, c'est bien la preuve qu'elle me comprend, c'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin de communiquer par les mots comme le commun des mortels, on se comprend d'âme en âme. » Sauf que cette fille-là est une poupée. Oui, c'est très étonnant. Comme il y a aussi ce double de Clara et cette poupée, en fait, où il reproche à Clara plus tard d'être une automate, d'être froide. Et au contraire, cette poupée devient un écran, une sorte de une projection de ce, peut-être son inconscient. Parce que venant à Sigmund Freud et son essai de 1919, où il traite le marchand de sable, il analyse le marchand de sable et il nous donne une sorte de clé de lecture. On peut le lire évidemment différemment. Cette nouvelle a provoqué beaucoup d'interprétations depuis la parution. Mais Sigmund Freud, en fait, essaye de le voir dans le contexte du concept de das Unheimliche. Donc, en français, c'est l'inquiétante étrangeté. C'est un concept qui est très, très présent, très important à l'époque. Comment il est présent dans l'œuvre de Hoffmann, alors, pour résumer? Alors, ça, justement, c'est quelque chose de passionnant et c'est une preuve supplémentaire qu'il faut prendre des cours d'allemand au Goethe-Institut de Toulouse. Parce qu'en fait, Das Unheimliche, c'est un concept génialissime qui est quasiment intraduisible en français. Cette traduction de l'inquiétante étrangeté, c'est une traduction qui est proposée par Marie Bonaparte, qui était une patiente, quasiment élève de Freud, et qui a fait cette proposition. La proposition a plu aux Français et plaît toujours. Vous trouvez dans n'importe quelle critique, à un moment, quelqu'un qui place le terme « inquiétante étrangeté ». Donc ça parle, mais ça ne rend pas tout à fait compte de ce mot-là. Donc, tu pourrais dire ça mieux que moi, mais « unheimliche », on a cette idée de « heim », c'est l'idée du foyer, ça donne aussi « heimat », on a l'idée de la patrie, en tout cas on a l'idée de quelque chose qui est comme une sorte de maison. Et puis on a ce préfixe du « un », la négation. Donc on est face à, en français, c'est
on rendrait ça pas très bien de un foyer intranquille, une infamiliarité. Bon, il y a quelque chose qui se rapproche en français entre le terme justement de tranquillité, sérénité, qui est la quiétude. Et on s'aperçoit qu'on peut mettre un préfixe d'un inquiétude. Et ce terme-là, chez Hoffman, il revient sans cesse, c'est un adjectif qu'il utilise beaucoup, on a une leisha situation pour dire ce moment justement de basculement, où on ne sait plus. Et ça rend sa grande force et ça nous montre même le cœur même du fantastique, c'est ce que dit magnifiquement bien Elisabeth Lemire. C'est-à-dire que quand on a une situation étrange, l'auteur, il a plusieurs possibilités, mais disons qu'il en a deux. La première possibilité, c'est de faire une explication qui soit une explication rationnelle. Ah, en fait, c'était étrange, mais non, c'était la tuyauterie qui fuyait, qui faisait ses bruits, etc. Donc là, on est dans le réalisme derrière. Ou au contraire, de partir dans une explication qui serait une explication délirante, où on dit, en fait, tout est possible. Et c'est le merveilleux des contes. Il y a un bruit comme ça, mais en fait, ce bruit, c'est des sorcières qui sont là, et on se met dans un monde comme ça, où tout est possible, où il y a des sorcières, il y a des licornes, etc. etc. Bon. Et Hoffman, il s'amuse à ne pas trancher. C'est-à-dire qu'il est ni du côté du réalisme, ni du côté du merveilleux, il est sur cette ligne de crête, où on ne sait jamais où on en est. Et ce qui est passionnant, et là c'est un cas quasiment d'étude avec l'essai de Freud, c'est que Freud, il s'énerve face à ce texte-là. Dans son texte, il y a des moments qui sont des mouvements d'humeur où il dit « Ok, c'est un texte génial, mais quand même Hoffman, il pourrait nous dire un petit peu ce qu'il en est. » Et non, Hoffman, il reste toujours justement sur cette ligne de crête de l'hésitation. Et Freud, sa lecture a fait date, sa lecture est extrêmement importante, mais on se rend compte aujourd'hui, les spécialistes reviennent là-dessus, que cette lecture du Marchand de sable, c'est plus une lecture révélatrice de la psyché de Freud qu'une lecture révélatrice de la psyché d'Hoffmann. Et c'est sans doute la grande force d'Hoffmann d'être sans cesse un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Après, c'est toujours intéressant de revenir donc à ce terme et se dire, en fait, tout ce qui nous fait peur autour de nous, tout ce qui est donc étrange, vient en principe de nous-mêmes. C'est notre inconscient qui projette quelque chose donc qui est familier et étrange à la fois. Et donc, par rapport aux circonstances de la folie de Nathanaël, à laquelle il succombe finalement, on pourrait quand même, grâce à la psychanalyse, trouver une sorte de clé pour expliquer tout ça, non ? Alors oui, ce qui est intéressant sur la psychanalyse, c'est qu'évidemment, elle a perçu Freud et ensuite ses disciples ont perçu à quel point Hoffman avait touché du doigt quelque chose de très important. C'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que les monstres sont en nous. Et quand il y a ces choses-là dont on n'arrive pas véritablement à parler, qu'on n'arrive pas à se... Disons que c'est de l'ordre de l'indécidable, presque de l'impensable, néanmoins, il y a la représentation qui aide. Et il y en a une figuration du théâtre intérieur. Ça, c'est absolument passionnant. Mais de temps en temps, dans les lectures psychanalystes, on peut avoir une lecture qui est une lecture presque clinique, qui va de temps en temps assécher, qui va de temps en temps réduire le texte, alors que la littérature, dans une certaine mesure, a toujours dessus, parce que la littérature, c'est un éclair de lettre, quoi. Elle propose quelque chose, elle dit quelque chose, elle ne le dit pas. C'est cette figure qui faisait déjà très peur à Platon d'une parole muette, qui dit et qui ne dit pas, qui cache et qui montre. Bon. Un autre point, oui, qui est véritablement essentiel et qui nous aide à comprendre quelque chose, c'est le fait que chez Hoffman, on a une critique du romantisme. Mais cette critique du romantisme, elle est importante à son époque et elle reste extrêmement importante aujourd'hui. C'est-à-dire que Nathanaël, quand on prend ce personnage, on voit qu'il est jeune. On voit qu'il est exalté, on voit qu'il est tempétueux, on voit qu'il est nerveux, on se dit « Ah, c'est le héros romantique !» Et c'est vrai, le héros romantique, sa face positive, c'est son énergie, c'est sa volonté d'individuation, ça c'est quelque chose de très positif. Mais sa face négative, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait d'être enfermé dans son exaltation. C'est le fait d'être enfermé dans ses fantasmes, c'est le fait d'être prisonnier de sa vision. Et Hoffman, il nous dit quelque chose qui est extrêmement fort, une prescience folle de nous dire « Attention, si vous êtes enfermé dans votre vision, si vous êtes enfermé en vous-même, vous courez le risque du solipsisme. » C'est-à-dire, on imagine qu'il n'y a pas d'autre réalité que soi. Et Hoffman, il a cette intelligence de nous montrer cette zone de brouillage en disant « Le héros romantique, c'est un être qui est aussi exalté, mais c'est un être qui est pris dans ses propres pièges. » Et la vérité romanesque d'Hoffman, c'est de proposer justement ce pas de côté incroyable où il nous montre ce combat de deux personnages, Nathanaël et Clara, le jeune exalté et celle qui voit clair, en disant « méfiez-vous de vos excitations ».
Et est-ce que tu penses qu'il faut le lire différemment aujourd'hui, où on commence quand même à s'éloigner un peu des valeurs des Lumières, où on se tourne à nouveau vers l'émotion, vers l'inconscient, le mystique, etc. Tu penses qu'on pourrait lire ce texte aujourd'hui différemment qu'à l'époque? Alors oui, c'est vrai on peut penser à cette phrase des représentants des Lumières en Écosse, qui était David Hume, qui disait cette fameuse phrase, quoi, que la raison est l'esclave des passions. Hoffman travaille cette question-là, ce rapport entre raison, passion, etc. Et Hoffman, il nous propose à chaque fois une sorte de connaissance des gouffres, ça c'est la grande force d'Hoffman, mais il y a un point que j'ai pas suffisamment développé, excuse-moi, c'est également l'humour d'Hoffman. Et cet humour, ça permet une sorte de détachement. Il se moque beaucoup de son époque Ouais, aussi, exactement. c'est-à-dire que oui. Il se moque de son époque, il se moque également des emballements, il se moque des personnages exaltés, et il est toujours dans cet entre-deux de dire, regardez, cette exaltation, certes, elle est positive, elle est là, mais méfions-nous parce qu'on a tendance justement à se piéger nous-mêmes. Et en ça, Hoffman, c'est un compagnon de route extraordinaire qui nous permet à la fois de rire de nous-mêmes, tout en nous confrontant au théâtre de nos peurs. C'est vrai qu'il épargne pas son propre métier parce que d'un côté, on a le narrateur qui veut rendre la vie réelle et après, il y a Nathanaël qui est aussi poète, qui écrit des poèmes et qui est quand même très risible dans cette ambition. Donc c'est très intéressant comme la science peut-être, la littérature aussi est présentée de façon d'un côté comme quelque chose de grandiose, voilà, et en même temps quelque chose de risible en même temps où on peut s'égarer, c'est ça? Oui, et c'est vrai que le rapport à la littérature est sans cesse évoqué dans ce texte-là, d'une façon extrêmement, c'est pas scolaire, hein, c'est d'une façon extrêmement vive et intelligente, parce qu'on a ce personnage de Nathanaël qui cherche sans cesse la reconnaissance de l'autre, et entre autres la reconnaissance de l'être aimé. C'est-à-dire qu'il va composer des poèmes, il va les lire à sa fiancée, et ces poèmes vont être un peu hermétiques, un peu clichés, trop ténébreux, et la fiancée va s'ennuyer incroyablement. Mais c'est pas qu'elle n'a pas accès à ce niveau de poésie, c'est simplement que les poèmes sont mauvais. Et le retour de Nathanaël, ça va être de dire « Ah, mais elle n'arrive pas à atteindre ma hauteur, etc. » Et au final, il aura cette écoute-là avec quel personnage? Le personnage de l'automate, le personnage de la marionnette. Il va se mettre à encenser le personnage de la marionnette. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, elle l'écoute. Donc sa façon d'encenser l'amour, d'encenser la femme aimée, c'est une façon déguisée de faire quoi? De se complimenter lui-même. Donc ça, c'est absolument extraordinaire, ce jeu sans cesse de va-et-vient. Et ça rappelle une belle phrase de Romère sur le cinéma, mais qu'on peut appliquer à la littérature. Romère disait « Tous les malheurs viennent de la projection ». Bon, nous, on n'est pas des automates, heureusement. Il y a une vraie énergie entre le lecteur et le narrateur, je trouve, ici. Donc, c'est un texte qu'il faut absolument découvrir si on ne l'a pas encore lu. Merci. Ben, merci.